bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder donc la semaine 7 avec la poursuite de notre étude des arbres, avec les arbres binaires de recherche, qui sont donc une sous-catégorie des arbres binaires, tout court, et qui vont permettre en fait de simuler des ensembles et de pouvoir tester l'appartenance à un ensemble de manière extrêmement efficace. Donc, nous passerons d'abord en revue la définition des arbres binaires et leurs barrières d'abstraction, c'est-à-dire comment ils se construisent, comment ils se manipulent et comment on peut les utiliser. Et enfin, nous verrons l'implémentation des principales opérations sur ces arbres binaires de recherche.